Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaoh. On se retrouve pour tenter un truc. Voilà, je pense qu'on peut utiliser ce mot. On déclare la guerre à ces gens. Bim. Mort et la destruction s'abattent sur vous. Eh oui, carrément. Et on a un équilibre des forces un peu tendax. Et en vrai, c'est effectivement un peu tendax. Le moral est à l'arrière. On se déploie par là. Ouais. Ouais. Si on avait pu se débarrasser de ce truc, ça aurait valu le coup. Si jamais j'encercle, est-ce qu'on voit le promontoire? Elle est juste là. On n'a pas le mouvement pour y aller et revenir, donc non. On va lancer l'assaut. On va lancer l'assaut et on va voir ce que ça dit. On va probablement se déployer de ce côté-là. Ça va neutraliser un peu ces frondeurs. Déployer peut-être notre char ici pour le titiller un peu. Ça me va. Là, on est collé à la map, hein. Je peux pas reculer quoi. Coller sur le bord de la map. Ok, du coup, là il y a une entrée. Ça c'est pas une entrée, donc une entrée là. Une entrée là, une entrée là, une entrée là. Ok, très bien. Donc toi, on va te déployer par là. Alors attends, si je mets un frondeur. C'est bon, on est hors de portée. Donc toi, on va te déployer par là et on va surveiller un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, il a ses renforts qui arrivent, c'est vrai, tiens. On se prépare à les choper. Alors, sachant que c'est du général, on va mettre E. En vrai, ce qu'on va faire même, c'est qu'on va mettre E en mode tir direct. Et on va le fusiller quand il va sortir. Après, on essaie de s'infiltrer par ces deux endroits. Là. On va mettre un max de frondeur ici. Ici, on s'occupe de lui. Toc, 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 voilà. Le général, on va le mettre par là. Avec cette petite équipe d'assaut là. Et est-ce que eux, je les mettrais pas ici, avec les chars, hein, pour qu'ils aillent titiller un peu. C'est du léger, on peut tomber sur le dos des tireurs éventuellement. On tente un assaut par là, un assaut par là, un assaut par là, sur trois fronts. C'est pas mal. On voit personne pour le moment, on attend deux secondes. Voilà, c'est parti. Allez, là, on est... Putain, il apparaît trop loin, quoi. Sérieusement. Allez, go. Feu. Fusillez-le-moi. Là, on a du sprinter, du lancier. Ici, encore du sprinter. Donc, on va avancer eux. Ici. Pour l'instant, on ne voit pas ces frondeurs nulle part. Donc, on va se mettre un peu plus par là. On va avancer eux là. Ok, de la daube. Chopez-les. On va pouvoir lui balancer au moins une ou deux volées dans le dos. Un peu. Pour l'instant, zéro frondeur. Alors là, du coup, on est un petit peu trop loin, je vois. On va donc avancer un petit peu plus. Ici, pareil, on va avancer jusqu'ici. Bon, ok, là c'est de la daube. Passez en tir varié et avoinez-le. Et vous, courez jusqu'ici. Enfin, marchez jusqu'ici. Ici, on a quoi? Des sprinteurs. Face à ça, c'est la violence. Donc on va se contenter de les occuper pour le moment.
l'instant, on voit vraiment rien. On va avancer un peu pour voir, mais ouais. Tout le monde disparaît dans la pampa, là, pour le moment. Ah, ça y est, on voit de l'archer, là. Un archer. Ok, un archer qui couvre cette entrée. Pourquoi pas. Passez-vous par là, vous. Le général, on va avancer un peu. Ah, là, il y a du frondeur, là. Courez-vous. Alors, on voit un archer. Un archer là-bas. Ok, on va aussi courir avec eux. Là-dessus. Vous commencez à les choper. Ici, du coup... On va charger avec eux. Et avec eux, en même temps, avec tout le monde, en fait. Ici, du coup, pour le moment, on ne voit personne. Mais on va courir jusque-là avec vous. Et avec vous, jusqu'ici. Là-bas, on continue de les occuper gentiment. On va même avancer un peu. Jusqu'ici, je pense. Avec vous. Hop, voir s'il n'y a pas un autre frondeur qui traînerait quelque part. Et l'autre frondeur est là. Là, on se faufile. Alors ici, il commence à nous tirer dessus. Les vous trois. Avouez-moi ça. Lui, du coup, il fait quoi? Il nous tourne le dos? Non, il nous tourne pas le dos, mais il est pas non plus dans une position oufissime. Alors là, il y a le général qui a réussi à nous échapper un peu. Ici, c'est un peu risqué parce qu'on est en tas, mais... Je charge. Donc vous, commencez à avoiner ça, s'il vous plaît. Ici, il continue de nous coincer. Des frondeurs en armure, là. Passez en multi-tir, vous. Alors, ici, du coup. Tirez donc sur ces gens. Il y avait un général, mais il s'est planqué. Ça, ça fait quoi? Ça redonne de la... Ouais, en vrai, non, il faudrait que vous tiriez là-dessus, vous. Alors là, on est bien cumulé. Ici, on a gagné. C'est parfait. On va récupérer un lancier pour aller attaquer de dos. Et ici, on est engagé avec un frondeur et des lanciers au bouclier. Ouais, il nous faut plus de monde, là. Hein. Parce que ça, c'est du lourd, ça. Et ici... on va pas pouvoir faire tomber ça. Hein. Eux, ils vont tenir malheureusement. Ici, il faut qu'on les fasse tomber, eux. Donc go. Là, ils sont en déroute. Alors, est-ce qu'on peut tenter des tirs du coup sur les sprinters là? Ici, la grosse rafale fait le taf. Ah non, c'est eux qui ont réussi à se reculer, ok. Ils ont lâché devant les lanciers au bouclier. C'est pas d'une précision folle en vrai ce truc, hein. On va peut-être repasser en tir normal. Ici, ça se passe toujours, on se regarde en chien de faïence. Alors ce qui m'embête, c'est que je monopolise beaucoup de troupes, là. Donc on va quand même y aller.
On va y aller d'abord avec les chars pour les désorganiser et après on va essayer de voir si on peut pas se faufiler, tenir la position. Ah oh putain, il a des javelots. Vas-y, essayez de passer. Maintenant qu'il y a tout le monde qui est au contact là. Alors ici, ça donne quoi? Ça c'est en déroute, ça ça tire, ici ça tient, là on est dans son dos, mais le moral tient. Ici on commence à faire un petit peu mal, hein. Ça commence à céder doucement, on va courir jusqu'ici avec les archers, ce qui leur reste de flèches. Alors, si on peut pas trouver des angles de tir plus intéressants. Allez, ici j'aimerais que les chariots, ils fouettent leurs chevaux et ils traversent là. Votre général est attaqué. Allez. Allez. Ah, ils arrivent pas à passer, c'est con. Mais au moins on leur fait mal. Déjà ça. Ici on souffre. Ici le moral est en train de tomber un peu. Il y a beaucoup de monde dessus, mais le moral est en train de tomber un peu. C'est pas si mal. Ah, on n'arrive pas. De tenir la position là, ils ont une. Ils ont tellement de force. Qui a épuisé ses munitions? Les archers là? Ah là on a réussi à les faire céder. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. On va vous envoyer courir par ici, vous. Et toi tu vas courir par là-bas pour le moment. Et vous, vous allez courir par ici. Toi t'arrives pas à passer, toujours pas là. Bon, ok, recule. Tenter des trucs. Ici, on continue de s'échanger des petits cailloux avec une efficacité relative. Alors, faut qu'on garde un œil. Ok, là, c'est en déroute, excellent. Donc, on va prendre le général et on va courir jusqu'ici. Avec le reste. Va courir jusqu'ici. Et du coup, les chariots, on va les sortir du combat. Ils s'en tirent pas pour le moment. L'objectif, ça va être de prendre toute cette zone-là et après de se refermer sur eux. Merde. Nanana. Par là. Je pense qu'il doit y avoir d'autres ennemis dans le coin, là. De toute façon, pour le moment, on n'a pas encore vu leurs généraux. Hein. Donc fatalement, ils doivent traîner dans un coin. Une de vos unités a épuisé ses munitions. Pas grave, vous allez rester là, éventuellement encaisser un peu les tirs. J'aimerais par contre que vous, vous vous placiez franchement mieux que ça. Alors toi, tu t'es arrêté parce que t'avais envie de t'arrêter. Ben, c'est pas bien. Ah, ici, il y a du monde. Ici, on s'est jeté sur des sprinteurs. Donc vous, arrêtez-vous. Et vous, chargez là-dedans. Là, pareil, on continue de courir. Il y a encore du monde, hein. Ici, il y a des... Ok, c'est des archers qui sont en train de galérer. Il va falloir quand même qu'on les réenvoie, je pense. Et où qu'on a des troupes qui s'affaiblissent, j'ai pas fait gaffe, c'est là, non? Il y était deux ici. Ah non, c'est là. Ok, oui, eux, ils ont un peu chargé. Un peu chargé face au rigolo, là. Vos troupes ont été mises en déroute.
tirer nos dernières flèches là, même si c'est pas d'une efficacité dingue. Et là-dessus, vous. Ok, nos deux chargeurs sont en déroute. Bon, là, ils sont en train de se reformer, c'est con, parce qu'on n'arrête pas de s'arrêter. Donc, en avant par là également. Toi, c'est pareil. Fais le tour. Il est en train de se recentrer. Là, la charge de... La charge a fait le taf. On va voir si on peut essayer de les rattraper. Considéré comme perdant. Après, c'est vrai qu'on a plus que 4 chars. Hein. Ouais. Ici, c'est la grosse bataille. Là, j'aimerais bien qu'on essaie de pousser ici. Voir si on peut pas faire des trucs. Là, oh les gars, vous êtes censés me charger ça. Donc, chargez-moi ça. Ok, ici, ça fait le taf. Là, on va leur demander d'arrêter de tirer. Là, c'est la déroute. Allez-y, foncez là-dessus. Ok, ici, on est en train d'engager gros. Donc, faut arrêter de s'arrêter. Faut arrêter de s'arrêter. Je pose la question, qu'est-ce que vous foutez? Là, il y a un mec qui est coincé, mais c'est pas grave. Ici, c'est pas mal. En avant, on progresse. Là, on va prendre ça, on va aller leur choper dans le fond. Alors, il manque un général, hein. Il y a toujours un général qui est caché quelque part. Ok, je ne sais où. Donc ici, on va courir jusque là. Vous allez bientôt vous emparer du point de victoire ennemi. Ça va pas leur faire du bien au moral. Eux, ils sont encore arrêtés. Ça suffit. Ah, oui. Non, il sait pas trop quoi faire. Ça veut dire que là, il n'y a personne pour nous empêcher de charger dans son dos. Bon, il va falloir du renfort là, parce que... Ouf là, il va pas tenir. Viens par là. Vous arrêtez pas, vous courez. Ah ouais, putain, là, on a pris cher. Et là, on pourra toujours remplacer ça par des archers d'élite qu'on a débloqués. Donc ça me choque moins. Là, vous me chargez là-dedans. Vous me chargez là-dedans. Ok, bon, là, ça a cédé très rapidement. On va reculer. Alors, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une ligne de front ici. Les frondeurs, il leur reste un petit chouille de tir. Donc, on va les envoyer là-bas. Vous avez qu'à tenir par là. Là, le moral est en train de céder, c'est plutôt cool. Finalement, eux vont survivre. Un peu en retard, là. On est un petit peu en retard. Alors là, du coup, la charge a fait le taf, mais notre moral est un peu chambranlant. Une de vos unités a épuisé ses munitions. D'accord, ils nous ont laissé passer. Et bah du coup, go. Le général, il a encore full life là, mais du coup, il va être appris un peu dans tous les sens. En tout bien, tout honneur. Ici, ça a cédé. Excellent. Il reste plus que le général. On va prendre ce point de passage là. Ce point de victoire. Là, ça. Ouais, il va céder. L'ennemi a perdu un point de victoire. Ça va faire mal. Voilà. Parfait. Victoire de justesse. Mais victoire quand même. Eux, ils ont fini par faire le taf. On a attendu un peu longtemps, je pense. J'avais un peu peur des sprinters achéens, là, qui m'ont l'air d'être des sacrées bonnes unités. Mais au final, ils ont été capables d'en venir à bout. Ce qui fait bien plaisir. Tiens, mange.
Et on a un pied en crête. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait bien plaisir. On prend le pillage. Reconstitution d'unité et compagnie. Et on a découvert Poséidon et Zeus. Excellent. Et du coup, là, normalement, on a... On pourrait prendre ça, mais c'est pas ce qu'on veut. King Rhesus. Ah, et du coup, on voit toute l'île. Ok, intéressant. Mais on voit pas ses troupes. Est-ce qu'elles ne sont pas là, ou est-ce que juste on ne les voit pas? Ça, c'est la grande question. On peut réparer ça, déjà. On va le faire. Ça va avoir une petite garnison. Putain, il y a du bronze, il y a de la pierre. C'est pas mal, la crête, hein. Franchement, c'est pas mal. Ouais, il a quand même du potentiel, hein, semble-t-il. Ok, on s'est racheté un peu de temps avec cette victoire. Suffisamment pour prendre des mecs intéressants. Arc de Mycène. Un chasseur trace de flux, ouais, bof. Payer pour en recruter un alors qu'on fusionnerait cela, ça me paraît pas très intéressant. Faudrait ça, mais on n'a pas les moyens. Et un escarmoucheur en armure tout seul, non, ça me paraît pas très intéressant. Donc on va prendre le tour de reconstitution, là. En espérant qu'il se pointe pas avec une grosse armée. Sachant que Knossos, c'est la ville principale. Ce serait éventuellement intéressant de faire tomber les autres avant. Guerrier à la hache, Arguien, sprinter, lancier au bouclier. Ah, il y a de l'avant-poste là dans tout ça. Ouais, là, il va falloir faire tomber les promontoires. Là. Va falloir faire tomber les promontoires cette fois. Un truc spécial, ça? Non, c'est juste à côté d'un temple, mais... Ouais, c'est ça, il est devant. Okay. Bien. Bien, bien, bien. On se recale la souris, la souris, la vue. Du coup, là on avait déjà bougé, on n'avait rien d'autre à faire. Alors 12, qu'est-ce qui se passe? Terre sainte occupée, ok. On a découvert des divinités, un enfant est né, très bien, on avait vu. L'accord avec 3, on l'a refait, mais je vais quand même vérifier. Pas. Ouais, non, on l'avait parfait. On donnait un peu de pierre pour un peu de nourriture, mais même ça, il est pas fan. Et ça, tu veux toujours pas 4-8, ça change pas des masses. Hein. Rien du filet. Il veut même pas de pierre, c'est le seul truc où j'aurais éventuellement. On va continuer d'avoir des accords d'échange, ne serait-ce que pour ce qu'il n'ait pas envie de nous déclarer la guerre, parce que il tient sa parole, quoi. Il est pendant 5 tours. On s'achète un petit peu plus de temps. On a un pied en crête, c'est déjà pas mal. Si maintenant, il faut le garder. Alors, on a une tradition royale disponible, on sait, on peut construire des trucs. Avec 64 de caillasse là, de bois, on peut construire des trucs, vraiment? Ouais. On va dire qu'on peut rien construire. Très bien, très bien, très bien. Et bah du coup, on va passer le tour. Alors, est-ce qu'on a eu des objets? J'ai pas fait attention. Toujours pas. Toujours pas. Et bah on passe le tour. On va voir ce que l'ami Achille décide de faire. Alors là, s'il pouvait se faire défoncer le cul... Ah, sérieux, il va décider d'aller piller des trucs. Oh, le roi casse-bonbon. Le casse-bonbon, quoi. Et du coup, il se met en marche forcée pour aller se barrer à l'autre bout de la planète, bout du monde. Très bien. Très bien, très bien, le relou. Babylone est toujours là. Ça, c'est cool. Et là, on va se prendre une grosse invasion des peuples de la mer et se faire défoncer. Alors là, lui, il y retourne avec ses 20 trucs. Il veut juste se poser et piller. De toute façon, il est en marche forcée, donc il fera pas de miracle.
Salut toi. Ok, lui, il fait le tour des routes maritimes pour se trouver des copains. Très bien. Que toi plaise. Arrête, la barbe grise à 32 ans, c'est terrible. Il veut faire son Alexandre, ça se trouve, hein. Ouais, il y a une deuxième armée là. Ça se trouve, il veut débarquer en. Il veut débarquer lui aussi en Égypte, comme nous. Il y a peut-être un truc avec les traces pour qu'il fasse ça. Et lui revient plutôt par là. Ah, il a débarqué. Ok. Intéressant. Alors j'aimerais autant que vous ne me preniez pas ma crête, s'il vous plaît. Bon, avec 10 troupes, je pense qu'il ira pas loin, mais. Ah, et là, il a gagné. J'ai l'impression qu'il a gagné contre Achille. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est excellent, même. Alors, du coup, il a de la troupe là. Donc, on voit bien les mouvements dans le territoire. Non, ok, ils font que traverser, c'est rigolo. Là, on dirait qu'il a pris de l'attrition. Pourquoi il a des troupes en moins? Il va débarquer aussi. Ok, très bien. Ah, ça va être la grosse bataille. Lui, il va profiter, il va lancer l'assaut, il va profiter que les autres sont autour pour avoir des renforts gratos. Alors là, si l'armée à 20 d'Achille s'est effectivement fait défoncer, ça va clairement nous aider. Je limite, je vais même pas chercher celle-là. Je vais tout de suite voir s'il accepte une paix. Parce que là, on est d'accord. Ouais. En marche normale, c'est beaucoup trop loin. En marche forcée, pareil. Ah, il y a une armée à 13 ici. Ah non, il s'est pas fait défoncer. Il a dû perdre même plutôt. Ouais. Il a perdu. Pas cool. Et il croule sous le bronze et la thune en plus. Il en est où? Toujours 3 provinces. Ouais. Donc ça va être basse qui pille. Là, il va envoyer une deuxième armée contre moi, quasi sûr. Quasiment sûr. Donc on repasse en marche forcée. On prend la mer. On protège cette ville. Saloperie, quoi. Non, par contre, on peut peut-être voir un peu mieux son armée maintenant qu'il est sur nos terres. Même pas. Ouais, parce que de toute façon, on a pas beaucoup d'armes publiques. L'influence est pas dégueu. La main d'œuvre. On commence à gréver un peu le bonheur. On peut améliorer des trucs. On peut améliorer le bois. On crame de la pierre, un peu de... Ouais, on va faire ça. Non, on continue de jouer avec lui, mais quand il va amener une deuxième armée, surtout à 13... Ah putain, j'aurais vraiment voulu qu'il perde ici, mais... Du coup, c'est la mort pour eux. Hein. Ouais. C'est la mort pour eux, et eux, ils sont toujours en guerre que contre ces deux-là. Et les Péotiens... En guerre contre personne, les Thraces sont en guerre contre personne. Knossos. On a toujours une force pas négligeable, donc ça veut dire qu'il a mieux que sa petite armée là. Là. Ça devient compliqué de se balader sur cette map. On est ici, voilà. Ok. Du coup, l'ordre public là, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Dès qu'on va se barrer, ça va baisser un peu. Logique. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. On se met en marche. On va raser ça. Alors du coup, regardons. Phaistos,
au niveau des avant-postes de Phaistos. Le promontoire, il est où? Je le vois pas. Il doit être là-bas. Oui, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est celui de Knossos. On va se préparer à aller l'attaquer. Alors, on a un niveau de plus. On va booster... On va avancer vers ça. Et du coup, on débloque ce truc-là. Voilà, comme prévu. Toujours pas de titre. Et du coup, on va par là. On est pas mal reconstitué. Land public, moins 16 forcément. Mais on reste pas loin. Alors, il était en guerre contre d'autres trucs. Hein. Ouais, contre les Mycènes qui sont quand même ouais, un gros morceau Mycène, faction majeure. Donc il a peut-être pas d'autres armées effectivement sur ce territoire. C'est pas totalement impossible. Chaud, chaud, chaud. Ça devient Tandax. Vraiment Tandax. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'or? Ouais, lui. Ok, très bien. Il nous sert à que dalle. Hein. Là, c'est de pire en pire. Structure endommagée. Ah oui, ici. Ah oui, non, c'est l'avant-poste qui nous a rasé là-haut. Ici, on pourrait améliorer ça. Non, il faudrait 152 bois pour le reconstruire. Ok, on va passer le tour. Voir comment ça se passe. Mycène. Mycène a débarqué mais repart. Ok. Très bien. Alors, toi. Il se remet en marche normale. Il va aller raser ça. Là, ici, et qu'est-ce qu'il fait? Il a attaqué ce truc, j'ai l'impression. On dirait que pour l'instant, il met les moyens là, ça me va plutôt bien. Là, il se remet en marche forcée par là. Putain. Il relance une armée. Ouais, le problème, c'est qu'il a des moyens de fou qu'on n'a pas. À cause de la difficulté aussi, hein, difficulté qui booste l'IA quand même pas mal. Et par rapport aux Babyloniens, là, enfin aux Mésopotamiens qui recrutaient du Pécor, ils recrutent du un peu plus sérieux, j'ai l'impression, quand même, dans la mer Égée. Alors là, d'accord, il lance même pas l'assaut, il vient avec des renforts en plus, tant la vache quoi. Ils sont même pas lancés l'assaut. C'est improbable. Oh la vache, le pauvre gars, il en finit plus de mourir quoi. Il le laisse pas crever en paix. À l'attrition, carrément, t'es pressé à ce point là. Ok. Pourquoi pas. Lui se balade, bah écoute, j'ai envie de dire, on va pas se faire un ennemi de plus, on va le laisser se balader, hein. Là, je vais devoir me racheter du temps, hein. J'ai plus de nourriture, hein. Donc, on dirait qu'il y a du monde qui veut la crête, ou non, il se balade sur les voies commerciales, plus probablement. T'as pas cette faction, le petit signe noir, j'avais pas fait gaffe. C'est probablement pas un signe, puisque le signe noir n'existait pas à cette époque dans cette région du monde. Ils ont de la force, hein, quand même. Hein. Ils ont de la force. Une armée à 16, une armée à 20 qui se baladent comme ça loin de chez eux. Ok, lance un recrutement. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en marche forcée pour revenir. Ici, bah, ils peuvent plus lancer l'assaut, du coup, donc il va raser des trucs, pourquoi pas.
Et normalement, je crois qu'il n'y a plus personne là. Ça devient chaud. Il nous faut du temps. Situation en péril de la peste, vous êtes sérieux? Oh, Atras en plus, mais non. Croissance de moins 9, moins 15, emplacement de recrutement, moins 3, quoi. Putain, c'est abusé. Et du coup, on est tombé en dessous, là. Ok, bon. Donc là, maintenant, on a un malus de morale et un malus de reconstitution. Putain. Par contre, on a la dîme du pêcheur qui nous booste un peu. On a deux accords d'échange qui ont expiré avec ces gens. Visiblement du bronze, j'imagine. Alors, est-ce qu'on a un décret royal qui nous sauverait un peu, là, économiquement? Du bonheur, c'est plus trop le sujet. De l'or. Le boost de nourriture, il était où? Là. Pas top, ça. On va lier avec des factions EGN, ouais. Une divinité de plus, ouais. Expert de bataille, rendre recrutement, expert de bataille des chars, porter des projectiles 15%. Pour l'infanterie, lance projectile rang 4 ou supérieur. Ouais. Ah. Dans la crise, on aurait 10%. Aïe, c'est pas simple, mais on va peut-être aller chercher ça, hein. 8 tours. On les a pas pour le moment. Donc ici, il vient défendre, sans surprise. Nous, on va aller faire tomber ce truc. De toute façon, on peut pas attaquer ça en un tour. Hop, on rase. Et après, j'aimerais bien pouvoir me déplacer, s'il vous plaît. Ah, ça coince le chemin, sérieux, ce truc-là? Oh, la vache. Alors, c'est le fort de Phaistos. Il y a un mec, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on l'assiège. Mais vous savez quoi? On va l'assiéger. On va prendre un bélier, ça suffira. Et comme ça, peut-être qu'ils auront envie de venir me chercher avec leur 8 et leur 1, là. Je ne crois pas trop. Bon, là, il est en train de recruter. Il va recruter quoi? 3 mecs d'un coup? Est-ce qu'il y a la peste? Il y a la peste. Ok, très bien. Excellent. Peuple indigné. Ouais, mais ça, c'est pour moi. Putain, mais en plus, on s'est pris la peste même là, là. Ouah, moins 18. Oh là là, les salauds, quoi. On ne peut pas faire le truc de bonheur parce qu'il nous faut un peu plus de bois. Ok, bon, très bien. Donc là, on est dans la merde niveau bronze. Voyons voir les échanges. T'es pas pour, hein. Qu'est-ce que tu voudrais? Un petit peu plus de pierre? Un petit peu plus de pierre, pas le choix là, il faut. Hein. Not a problem. Et j'ai vu qu'il était en manque désormais. Right. Donc à mon avis, il voudra pas. Ah si. Peut-être qu'il voudra quand même. 46, 47, 48, 50. That's fair, c'est chaud. I suppose. On s'achète des tours, mais alors vraiment... c'est vraiment la stratégie, elle est... Elle est clairement YOLO. Ici, est-ce qu'on provoquerait pas un assaut? On voit toujours pas ce qu'il a, hein. On voit toujours pas ce qu'il a. Awaiting orders. All hands. On va voir, peut-être qu'il va avoir envie d'aller chercher ça, et puis il va s'enfoncer dans les terres, et on va pouvoir faire des trucs. Ah merde, je peux pas rentrer de ce côté-là, vous êtes sérieux? Bah si, je peux débarquer. Up anchor. Qu'est-ce que tu fais? Je... Débarque. Voilà. Au moins, on est à portée de renfort.
Si on n'est pas dans la ville. Ici, il est de nouveau en train de recruter, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Le mec, là, il reste là, tranquille. Il a rasé la ville, mais il s'en fout. Il attend que ses copains reviennent. Que la garnison se refasse. 840 de bouffe. Mon dieu. Est-ce que on peut se payer le truc là? 690 de bois, c'était. Oh là 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 là. Quel enfer. Quel enfer. On pourrait dropper ça pour se préparer à faire de plus de bouffe. De bois, allez, on va le virer. Ça nous a aidé un temps, mais là il est temps de passer à autre chose. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.